Bonjour, alors le dimanche au The Rock, c'est un sentiment mitigé parce que le festival est là, bien installé. On pourrait rester des semaines et pourtant ce soir, Aude, il faudra lever le camp. Ah non, Laurent, je ne peux pas ce soir, j'ai Chaka Ponk. D'ailleurs, en attendant, on vous passe le résumé de la soirée d'hier. Très éclectique musicalement à l'image des The Rock. C'est par ici qu'arrivent tous les Eurocains sur le site du Mal Saucier. Dès l'entrée, il y a la scène de la Loggia. C'est la scène pour les talents émergents, les jeunes musiciens. Pour l'instant, c'est encore calme, mais ça ne va pas durer. Ça fait déjà plusieurs fois que je les vois à Bourges, etc. Et je suis très fan. Ouais. Vous savez que c'est des jeunes de Vesoul ? Ouais, absolument. Le côté primaire, intense, juvénile, spontané. Non mais il y a un son de fou, il y a une ambiance de cinglé, ouais, c'est trop bien. La première fois qu'il y a une aussi belle ambiance, je trouve super. Comment ça va? Nous sommes super organisés. Alors ce qu'il y a de bien au The Rock, c'est ce bar de la mémoire avec plein de photos d'artistes sur les murs. On a justement demandé aux festivaliers quels souvenirs ils voulaient garder de cette édition. Des stars, la musique, du fun, pile poil au bon moment, ils me regardent. C'est le chanteur de FFF. Ça c'est le camping. C'est le camping ça. Camping. On les partage, on les échange. Ouais, c'est ça. On fait profiter les copains qui n'ont pas pu venir aussi. J'ai des photos des Eurocayennes d'il y a 2 ans, d'il y a 3 ans. Je les garde, j'aime bien regarder un petit souvenir de mon passage aux Europes. Alors quand on est sur le site du festival, on a l'impression d'un univers qui tourne en vase clos. Et pourtant, depuis des années, les The Rock fédèrent tout un tissu local économique. Et notamment ce pâtissier que l'on va aller rencontrer du côté de Val-d'Oise. Bonjour Florent. Bonjour. Alors ça, c'est ce qu'on peut déguster aux Eurocaines. Aux Eurocaines, au club des mécènes. C'est un travail permanent pour vous pendant 4 jours là. C'est un travail pendant les 4 jours, c'est 24h sur 24. La pâtisserie, c'est un poids pendant 24 heures. Et ce soir là, vous leur préparez quoi au VIP du village des mécènes? Il y a une partie entremets pour les desserts du restaurant de ce soir et 1500 milliardistes tous les jours. Voilà. Vous avez changé de tenue là, Florent, là. C'est en mode festivalier maintenant. C'est en mode, oui. Mode soirée, là. On a juste à déposer tout ce qu'il y a à manger, voilà. Et là, ce que vous avez fabriqué ce matin, vous allez le déposer là? Je vais le déposer dans les loges pour les clients qui vont arriver tout à l'heure. On vient pour s'amuser, mais on vient aussi pour faire un peu de business. Business, je sais pas, oui, un petit peu. Comment, ce serait pas trop intéressant. Un petit peu de business.
pas de business ici, mais l'ambiance est tout aussi feutrée, c'est normal. On est tout près des loges, des artistes. Et on est avec Vincent, vous êtes responsable justement de cet espace. L'objectif, c'est de bichonner au maximum les artistes avant les concerts. Tout à fait, les bichonner, de les mettre dans les meilleures conditions possibles. Puis c'est surtout le premier contact qui sont importants parce que les 5 premières minutes sont déterminantes. Plus on en prend soin, meilleurs seront les concerts. Et d'ailleurs, ce soir, nous avons de très très beaux concerts sur la scène de la Loggia et de la plage. Merci beaucoup, Vincent. Laurent, il paraît que ça va envoyer du lourd ce soir. Pour conclure cette 30e édition, une programmation très rock. Et comme on a décidé de rester un peu, on en reparle demain. Ça marche, on va rester.